prenant possession de notre chambre à l'hôtel Tom près de l'aéroport. Le lendemain, 13 juillet, levé à 6h30 pour visiter Oslo en car. C'est vraiment l'opéra, le nouveau monument qui est, je dirais, le point d'ancrage de développement de la ville. Alors aujourd'hui, il y a plein d'immeubles qui sortent de terre, il y a plein de choses et tout ça. Le siège des grandes compagnies nationales, bien sûr tout ce qui est high-tech, notamment les technologies de l'information et de la communication, NTIC. Il y a aussi data informatique, beaucoup d'entreprises sont implantées ici, le secteur des assurances maritimes, le pétrole, etc. Beaucoup de sociétés étrangères, mondiales. Oslo est une ville qui est vraiment un peu comme Londres aujourd'hui en train de prendre du poids. Hôtel de ville ici, donc en face de nous. Ça s'appelle le port, ça c'est le port naturel. Ici les anciens chantiers navals qui ont été transformés, qui ont été supprimés et qui ont été transformés à droite là. Donc en magasin, choses comme ça, bureau, magasin, centre commerciaux, etc. Et puis ici, cette grande esplanade qui étonne, là, où il n'y a personne ce matin, ce qu'il lui faut pour se lever une heure pareille. Hein. Et donc il sera beaucoup plus animé tout à l'heure. Et ici, il y a un grand bateau de croisière, par exemple, ici, au pied de la forteresse Akershus, les Bourvoyers, etc. Voilà, on tâchera aussi de faire un petit stop, là. Et on va donc voir si la guide est là. Je pense qu'on est un peu tôt encore, hein. C'est un petit peu tôt. Alors ici, en plus, les boutiques, les magasins, tout ouvre à 9h. Nous sommes devant la façade de l'hôtel de ville d'Oslo. Quand nous contournons l'immeuble, nous avons le plaisir de nous promener sur les allées d'un jardin fleuri face à la mer. Nos premiers pas à l'intérieur de cette grande salle foulent le sol où se déroule le 10 décembre de chaque année la remise du prix Nobel de la paix. I just want to say it. Thank you for each day you're with you. At the close of every day, when I close my eyes, de belles fresques décorent les murs de cette immense salle. Oslo veut dire pleine de Dieu. Ce centre aujourd'hui qui correspond donc à l'ancienne Christiania. Bon, on voit encore quelques bâtiments anciens de l'époque, on vient de voir. Mais malgré que les gens à l'époque ont été obligés de construire en briques et en murs, il y a eu pourtant des incendies qui ont ravagé la ville du 17e, 18e siècle aussi. Là, on traverse la grande rue Kalvarandsgata, on revient là-dessus un peu plus haut. C'est la partie piétonne. Puis on arrive à l'ancienne place de marché. Et ici, à votre gauche, vous voyez tout de suite le statut de Christian IV, ce célèbre roi du 17e. Il était très volumineux. Quand on a fait son statut, on le fait plus mince pour le rendre plus modeste. Il aimait trop. Le vin, la bonne nourriture, les femmes et le pouvoir. Enfin, c'est pas très original pour un roi à l'époque, même aujourd'hui. Hmm.
il résidait à Copenhague, il était fréquemment ici à Oslo, Christiania, sa ville. Il a laissé beaucoup d'enfants. Café à gauche, et qui est un célèbre café pour tous les auteurs qui se sont rencontrés là à l'époque. Et c'est à votre gauche aussi, il y a le Parlement, le Storting. Le Parlement norvégien en brique rouge, ce fond particulier, vous le voyez à gauche. Et puis, c'est au long de cette, la grande rue que nous avons retrouvé maintenant que les institutions du pays, enfin les bâtiments qui le représentent, sont placés. Il y a le jardin des étudiants ici à votre gauche, une agréable fontaine. Et en face, vous voyez le Palais Royal, qui est la résidence officielle du roi et de la reine. Il n'y a que eux qui habitent là aujourd'hui. Leurs enfants ont déménagé. Puis ici à votre gauche, il y a le Théâtre National, avec deux statues devant Henrik Ibsen, le plus célèbre de tous les écrivains, de tous les auteurs, et puis Bjørnson à côté. Et on pourrait appeler ce théâtre le théâtre de Henrik Ibsen, puisque ses pièces sont aussi fréquemment jouées sur les scènes à l'intérieur aujourd'hui comme dans son époque, il y a 100 ans, avec le temps. Et puis à côté, il y a un bâtiment un peu plus moderne avec les toits vertes. Et c'est donc le ministère des Affaires étrangères. Et puis il y a une statue d'un homme allongé, tête nue, et c'est donc le premier roi ici en temps moderne, après 1905, on a demandé au prince Karl de Danemark de devenir roi. En marche pour une visite plutôt surprenante. Ces statues, très suggestives, sont l'œuvre du célèbre sculpteur Gustave Vigeland. Datant de plus de 1000 ans, a été reconstitué en 1905 avec les bois d'origine. Mais là, ce tumulus-là, c'était exceptionnel. On a trouvé de bateaux presque complètes qui dataient du début de la période viking. Vous voyez en l'état comment ils étaient dans les tombes. Mais pour un millier de pièces dans la partie, surtout au milieu.
dans un pays où la neige est abondante et presque constante, la luge s'imposait. Les Vikings en ont fait une œuvre d'art.